Eux, les gens, c'est YouTube évidemment, hein. Toi qui ne regardes pas YouTube, bonsoir, on est sur Twitch. On est toujours sur Twitch et sur Dirt. Et Varek a peut-être reçu sa commande, alors que pas du tout. Dernière nouvelle, le suspense est insoutenable. Est-ce que je me fais la Malaisie? Parce que c'est ce que j'aime le moins. Hein, as-tu bien bouffé? Pardon, qui? T'as déjà fini de manger, agent? Bonne digestion. On va faire la Malaisie, hein. Je vais couper le micro parce que... Si vous avez bien regardé la caméra, logiquement, vous pouvez deviner ce qui s'est passé. Voilà. La Malaisie, ça risque de présenter... Tu vois aussi, tu pars en vacances? Allez, let's go. J'ai combien? 5 millions? Ah non, 1 700 000. Ah non, c'est... Ouais, non, ça te la galère, les gars. Vous savez à quel point j'aime pas ces trucs-là. Est-ce qu'on achète un nouveau véhicule en vrai? Parce que... Oui, sur le papier, il est mieux. En vrai, c'est quoi le truc le plus maniable? Lui, 3... En fait, c'est celui-là le plus maniable. Mais en fait, pourquoi je m'emmerde? Vraiment, c'est celui-là le meilleur du meilleur de tous les meilleurs qui sont tellement bien qu'en fait, il est mieux que les autres. Avec l'échauffement. Allez. Le oups, j'ai dit lol. Oh, ça va. Tout va bien. Pourquoi il tire la tête comme ça? C'est quoi ce fuck? N'importe quoi. On dirait que j'avais un truc aigre. Ah là, c'est mieux. Ah non. C'est bizarre. C'est très bizarre. Ah, j'ai la mâchoire qui part en cacahuète. Ah là. C'est n'importe quoi. Le genre d'œuf qui couffe. Ouais. T'inquiète. Garde au sol. C'est quoi? Haute suspension douce. On va faire un truc qui remonte dans tous les sens. Appui. Freinage à l'arrière. Évidemment, c'est parti pour avoir un buggy. C'est pas un buggy. Ok, j'adore. J'adore me faire tracer comme ça. Elle est partie comme une balle, l'autre. Non, pas dans l'eau. Le saligo. Alors, Hiro, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Je suis en sous-régime en deuxième et en sur-régime en première. Ça m'insupporte. Ah ouais, mais je suis en sous-régime. Un sous-régime. Ah, ça me saoule. J'ai oublié de toucher au rapport de boîte. Ah, la relance en deuxième. Sans savoir du couple, non? Au secours. Ouais, Varek. Parce que ta commande. Ça, c'est bien joué, ça. Incroyable. Quel talent. Où est la flotte? Où est la flotte? Sûr, ils m'ont poussé. Alors, y a quoi au menu? Oh, tiens, pendant que tu me réponds. J'espère que t'emmènes ton boîtier. Hein. Selon où tu vas, de toute façon peu importe où tu vas, il y a forcément moyen de faire des trucs et ça va te changer un peu niveau inspiration, je pense. Faut pas hésiter.
Plus c'est la première fois, je pense que tu l'emmènes quelque part. Ah, t'es vegan toi maintenant. Ok. Ça a changé la donne pour le tartare. Bah, je sais pas où tu l'as pris, mais il y a des trucs qui sont vachement bons. Les nuggets par exemple. Bah, après, ça va du. Enfin. C'est trop généraliste de dire ça comme ça, hein. Ça dépend qui les bouffe. Mais globalement, le bœuf, j'en ai goûté, ils sont très très bien faits. Le nugget, c'est une tuerie. Après, ça manque de charcuterie. Ça. Ah ouais, du saumon, les gars, j'avais testé du saumon, c'est un délire. Vraiment. Hein. Là, pour le coup, faites-moi confiance 100%, on aurait dit du vrai. Le goût à texture, tout, c'est. Vraiment, c'est ouf. C'est bon, je suis sur mon PC, c'est quoi le Discord? Tu l'as. Bah, ok, d'accord. T'as balancé juste le Discord là, non? C'est quoi? Quoi? Je pense pas que ça fonctionne. Donc voilà. Pendant que je vous parle de nourriture, je suis en train d'être assez. Bah, je pense pas, vu qu'il y a rien après le. Ah, c'est fini? Oh, c'est ce débattement! Sinon, agent. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais il est peut-être sur téléphone, non? Ah, bah non, t'es sur PC. Bah, c'est bon alors. Tu scrolls. Si t'es en full screen, tu défull screens. Et. Pense au lien, quoi. Et ouais, tu dis full screen, tu scrolls vers le bas et tu trouveras à peu près tous les liens. Comme le dit Varik. La nouvelle star du tout-terrain, Dave Mira. Pense au lien. Oh, calmez-vous là. Au secours. Vous m'insupportez. Ah oui, exact. Bien vu. Bien vu. Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche ou quoi? Tu me rappelles Georges politiquement. Georges. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien en fait. Je m'en lasse pas. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde. Un fasciste de merde. Je m'en lasse pas, je m'en lasse pas. À quand le retour des samples? Je ne sais pas. Pourquoi je suis comme un débile là? C'est un truc de ouf. Hop. Ok, c'est étrange. On me descend à peine. Si on me descend à peine que je. Non, tu peux l'avoir. Attends. Ouais, mais sinon, on me descend un peu. J'ai pas tout compris, donc soit il manque un truc. Soit il y a un mot qui s'est subtilisé un autre. Subtilisé plutôt. Allez, on apprécie. Ah. Ah oui. Bah tu mets ton APN dans ton bagage à main. Et ouais. Genre c'est moi qui suis agressif, c'est. Alors le circuit tout petit à 3 tours, je comprends pas. Ouais, forcément. Non, à l'époque j'avais pas ce problème en fait.
J'ai réussi à caler, tu sais, j'avais pas encore avoir un gros sac pour à peine. J'avais juste une sorte de sacoche. Tu peux mettre ça en à peine et un objectif dedans, tu vois. Du coup, j'avais calé ça dans le sac à dos. Ah non, je croyais qu'il était tout petit le circuit, mais pas du tout en fait. Non, on dirait un veau quoi. Putain. Mais non, je vais pas faire ça. Voilà. Regardez derrière moi. Tu peux pas prendre la route comme tout le monde. Aussi il se crée des problèmes le gars. Ouais, prendre l'avion pour faire quoi à 1200 bornes, feignasse. Et l'impact écologique hein. Il dans la flaque. Deux jours. Tu mets deux jours pour faire 200 bornes, une moyenne de 130, tu mets 10 heures. Allez, on va dire 12 heures du coup, par la route. Et là, je pars sur une moyenne à 130, hein. Tu vois ce que je veux dire? Hein? T'es bien équipé. Ah, donc plus 1500 alors. Bon, bah, compte une journée, c'est bon. Par à 5h, t'arrives à 20h. Oh là là. On est bien, hein. Oui, bah tu loues. Bah déjà, t'arrives pas, hein. T'arrives à... en cours de la deuxième semaine, déjà. Non, je troll, mais à mon avis, niveau vitesse, les pointes... Un petit 110, 130, je pense. Ouais, ça passe, hein. Parce que le problème, c'est le plein. Faut faire le plein souvent, je pense. Ça consomme peu, mais ça contient peu. Mais pense au vécu. Ça te fait un road trip, tu vois. Ouais, vas-y, on fait un duel. Ça te fait un road trip, tu vois. C'est toujours arriver vite. Tu sais, les vacances, c'est aussi le trajet. Hein. C'est quand même. Ça marche pas. Oui! Il marche pas le lien en bas, dans la description? Qu'est pas ça? Dis-moi tout. Putain, c'est chaud quand même, t'as ton. Et moi je pourrais pas dissocier de mon. Ouais, marrant, ouais. Ouais, marrant. Marrant, je sais pas si c'est le mot. Ouais. J'ai rien acheté ou quoi? Un Touareg. Pourquoi je prendrais le Touareg? Parce que je sais, je comprends pas. Encore une fois, je comprends pas. C'est quoi la luxe de jeu? Regarde, il coûte 285 000, mais. Pas. Ouais, c'est vrai. Et on a, parce que tu viens de te faire hacker en fait. Quand tu cliques sur mon lien du Discord, en fait, tu te fais hacker. Et du coup, je vais utiliser ton ordinateur pour faire du. Pour miner.
de l'Ethereum. Si, je suis chaud. C'est pas le souci. Et oui, clairement, road trip par contre. Enfin, road trip, ce sera pas un gros road trip, quoi. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, non, me séparer mon matos, ça me foutra en stress de ouf. C'est pour ça que voyager avec mon drone, là, c'est pas possible. Hors de question que je me sépare de mon drone. Il me faut un plus petit drone, mais ça coûte trop cher. Non, on va regarder la même chose, hein. C'est bien. On va mettre dans un port de boîte court parce que c'est un peu relou. Ouais. De toute façon, si c'est l'année pro, il y a d'autres trucs qui avancent pas. Hein. Il y a Paul Ricard, non? Il se passe où, lui? Ok, fif, non? Pour toi, niveau distance. Côté Nice. Ok. Un peu plus loin, quoi. Un tour. Okay. Bon, ça l'a ralenti la flotte. Ça dépend avec qui, hein. Ah ouais. Là, t'es là en mode oui, bon, ça va, moi j'aime bien dans des voitures, c'est drôle. Ah ouais. On va commencer à croiser une M5 de 500 chevaux et ça va commencer à partir en run. D'accord, laissez-moi descendre, je prends le train. Non, je déconne, pour faire de la route, pas rouler dans un truc puissant. Voiture lambda, quoi, tranquille. Ça sert à rien, voiture prépa pour faire de la route, c'est lourd en fait. Sauf si tu vas harasser un événement sur circuit, oui, d'accord. Bah, tu es avec ta caisse. Ou si t'as les moyens, tu la mets sur remorque. Il y a beaucoup, je connais, ils font ça. Hein. Ils ont un break, hop, remorque, et la voiture du circuit sur la remorque. Comme ça, ils vont, ils peuvent tirer dedans comme des porcs, et rentrer tranquille. Ouais, mais pas trop drift par chez moi. Ça se fait, hein. On est plus vitesse de pointe et grosse accélération. Et oui, c'est marrant, clairement, on dirait que c'est marrant. Faut que j'aille faire ça sur circuit, putain. J'ai vu, ils font des formations, des stages, entre guillemets. Bon, tu te sens un peu bridé, mais bon, c'est quand même une M2, je crois, ou une M4. Donc je vous dis, mettre une M4 en travers, ça peut être drôle. Surtout pour ça. Scroll, mon ami. Dans la description de la chaîne, tu le trouves. Du coup, on va presque tout finir. Alors on finit avec la Malaisie, parce que j'en peux plus. Y'a quoi qui s'est ouvert là-haut? Ah... What? Pourquoi y'a des trucs qui sont... Trop bizarre. Peut-être que c'est celui-là qui marche pas, non? Non, je pense pas. Dirt. Incroyable. Moi j'ai pas le choix. Ça c'est une caisse de ouf. Oh, pas de soucis, agent, t'inquiète. Mais ouais, ici par contre, contrairement à d'autres streams et d'autres chaînes,
C'est relativement propre en fait, tu trouves normalement bah, tout ce qu'il te faut en bas. C'est pas souvent le cas, mais j'essaie de faire un truc propre pour que dès que tu cliques sur une bannière, hop, tu t'envoies sur le site direct. Et s'il y a un quelconque bug, n'hésitez pas à me le dire. J'essaie de rajouter des onglets bientôt d'ailleurs. C'est quoi, on va faire un truc drôle. Ça va être marrant. Là je peux pas tourner en roue, attends. Quand elle roule, là, ma voiture qui est derrière. Quand elle s'avance, du coup je pouvais la dévier. À la rouge là. Ok. Ah non je peux pas. Ah si si si, là ouais sur la fin. Allez, j'adore cette caisse. Enfin ce bruit. Qu'est-ce que je kiffe cette caisse. 120, milieu. Gauche 6, attention. Grande crête, saut. 40, droite 2. 40, gauche 2. Ah, bon, ça passe. Vers gauche 3, sur crête. Oh, y'a de tout, hein. Droite 3, dans l'eau. Et droite 3. J'ai pas eu le temps. Avec ma boulette. Y'a de tout, t'inquiète. Il y a du textuel, il y a un général. Attention, grande crête, saut, vers crête, gauche, gauche 3, devant bannière. Pas forcément. J'aurais pu tenter comme ça, ça aurait pu être stylé de gagner avec un 3-6. Mais... J'aurais pas assez d'avance. Oh dommage. Hein? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce pins? Ah pas ce pins hein, ce pins. Putain, mais il s'est passé quoi? On s'est bouffé un pneu et j'ai plus de... Ah non, j'ai plus... Non. Question, comment le T-Rex il tient? C'est bizarre. Donc troisième, ouais je suis chaud. Descente 120, milieu. Gauche 6, attention, grande crête, saut. 40, droite 2. 40, gauche 2, une égratignure. Putain mais what the fuck. Mais il se passe quoi d'un coup? C'est bon ça? Ça fonctionne? Pas de problème? Ah ok d'accord. Tant mieux alors. Bienvenue parmi nous. Comment ça être... Racontez ce Discord. Et non, j'ai squeezé l'eau. Voilà, voilà. On avance, mais pas de ouf. Ah, bah, dit corde. Hein. Ouais.
Comment ça se fait que j'ai aucun replay là? J'ai tout utilisé? Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Désolé, petit problème. Tchac-tchac la girafe. Du coup, bienvenue à Tchac-tchac la girafe. La cousine de Paf le chien. C'était pas Flip-Flap la girafe? Bizarre. Bon, c'est quoi cette histoire là? Ça allait très très bien sur le premier run, alors bam. Il est totalement parti au secours. Bon, j'ai rattrapé ça, je sais pas, mais bon. Oh, je fais n'importe quoi. Avec le petit choc à l'arrière-droit qui m'a fait tourner. Ouais, une seconde de retard. C'est pas un truc de ouf, mais bon. Non, je crois pas. Ah si, pas grand chose. Non non, tu choisis un seul. T'en choisis un seul. En fait t'as... c'est tous les mêmes. Il fait 2 gigas des brouettes. Et du coup bonsoir à toi. Est-ce qu'on reste deuxième ou pas en fait? Ouais c'est bon, ça va. Bah de rien, écoute, tu me diras merci quand il fonctionnera. Pour l'instant, c'est pas fait. Dis-moi, j'ai fait une course ou deux. Pas de problème. Voilà. Pas de soucis, Martin. Tu me diras, c'était un problème et tout. Dans ce truc, il y a même des petits tweaks sur un net parce qu'il tourne dans 720p. Je crois qu'il y a en modification affichée, tu peux faire tourner en 1080p. Mais j'ai pas regardé, j'avoue, j'ai fait assez. J'ai testé hier avant de dormir. Et voilà. Mais je pense que c'est faisable de modifier le fichier. Voilà, voilà. Ça va. Mais ouais, c'est rien. Creux ou haut? On va penser à débroussailler dans le coin. Gauche
temps que j'ai perdu ici. Ah non, je suis premier. Ah, ici. J'ai cuté comme un sagouin. Il y a de la flotte maintenant ici. On en foire rien. Hein. Allez hop. Ah que je m'aime hein. Ça fait un bon site pour un complexe hôtelier. De ouf. Mais il faudrait ouais terrasser un peu trois trucs mais c'est bon. Du coup on est premier, j'ai récupéré 10 points. Dernière épreuve. Est-ce qu'on passera le niveau 50 ce soir? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Terrassé, ouais. C'est quand tu fais une terrasse. C'est quoi? T'as jamais terrassé de ta vie? Regardez même réglage, hein, je pense. Non, mais ouais, ça se dit en plus. Je crois, hein, ouais. Non, je pense que terrasser, tu terrasses, non? Non, vous dites comment? Trop facile. Eh, pas, trichez pas, hein. Terrassement, terrassé. Si j'ai de la merde, j'assume, on m'en fout. Eh, je suis un chat qui joue aux jeux vidéo, hein, c'est bon, hein. Je peux pas perdre un pivot. Hein. Mais, tu vois, c'est bizarre. Ça me paraît bizarre si on peut pas dire ça. On peut plus se tracer. Faut faire rien dire. C'est bien, on prend pas de risque. Ah mais ça se doit se dire, mais j'aurais dit terraformer. Terraformer, le gars, c'est grand espace. Ben ouais, tu vois, terrasser, je suis à peu près sûr que ça se dit. Terraformer, chez moi, ça sonne tout de suite conquête spatiale, tu vois. Parce que pour moi, c'est terraformer. On est, j'ai pas bonne définition, mais pour moi, en gros, c'est... modifier une planète pour la faire ressembler à la Terre. Tu vois. Pour moi, hein. Mais peut-être que j'ai trop regardé des trucs de science-fiction. Quoi? Pourquoi? Pour terrasser ou terraformer? Ok, d'accord. Bah tu vois, tu m'as appris un truc pour le deuxième. Non, y'a pas de soucis, excusez pour ça. On retire un tartare. Non, mais terrassé, tu vois, je me dis bon, ce sera pas la première fois que je dis une connerie, tu vois. Mais je me dis, bon, c'est quand même bizarre, c'est pas si ouf. Par contre, terraformé, bon. Là, je me dis, ça se trouve, tu vois, c'était pas très sûr. Le gars, tout de suite, il y a une terrasse. Moi, on va terraformer. Quand même, c'est un peu excessif, non? Moi, je veux juste une terrasse. Mais du coup, quand tu veux mettre une terrasse sur Mars, par exemple, est-ce que c'est du terraform racé? Non, trop compliqué. Les deux. Non, pas le tartare! Je le remplace par un steak de légumes. Fais gaffe, après tu passes en négatif. Hein. Tiens, ça va prendre. Mais c'est lui aussi, il me gêne là, regarde, regarde, coude à coude. Salut, go. Je sais même pas si je suis dans les temps en fait, je fais n'importe quoi. Enfin les gars, je pilote. Je fais des cours de français, tout ça. Ouais, t'as de la marge, t'as 4 ou 5 tartares, je crois. On va partir sur un menu complet avec
avec pension complète et tout, et sauna. Ah putain. Eh merde. Pfff, chaud. Ah, ça c'est marrant. Putain. Ouais non mais je suis... Non. Ils sont si ouf que ça? Vraiment? En vrai, pour le même montant, même si ça me coûte pareil, je préfère t'inviter plusieurs fois ailleurs. Ouais, ce quitte à dépenser, je sais pas moi, 100 balles pour passer une heure de repas avec quelqu'un, autant le dépenser 4 fois 25 euros pour faire 4 heures de partage, tu vois. Allez, fais pas genre. Le mec qui traîne avec des verrons et tout, c'est bon quoi. Le gars, il y a des Ford GT 2019 qui se débarquent dans sa rue. Tranquille quoi. Au calme. Ouais, tu sais quoi au début? Tu sais, je lisais du coin de l'œil. J'ai dit ouais, on peut échanger pour un steak tartare, un steak tartare au riz. Tu fais quoi? J'ai du mal à lire, tu vois, du coup j'ai relu. C'est un steak tartare au riz. C'est super au change, hein. C'est plus économique. Steak tartare au riz, tu crois? Toi, c'est peut-être une variété. Ils sont pas à moi. Arrête. Arrête. Excuse-moi, hein, mais il nous a pas présenté le propriétaire de la GT40. Hein. Donc, ce qui est une raison, je pense. Prouve du contraire. Je suis passé instant en mode focus, ça fait bizarre. Je me suis quitté totalement déco. Pas à faire un perfect, hein. Ça, ça me veut dire. Ouais, ça va. Tellement long! Et bien. Du contraire. Ça, c'est horrible. Genre je suis en tête les gars. C'est pas les épingles ouvertes ça. Hein. C'est même que tout à l'heure, il y en a une qui était fermée, une qui était ouverte, maintenant les deux sont ouvertes. On me dit oui mais la gamine dans ce sens là elles sont ouvertes. Une épingle fermée dans un sens, et du coup forcément fermée dans l'autre. Tout va bien. Elle glisse énormément. Oh
Waouh! Ce run était épique. Ce run était épique. C'était génial! Oh, c'était cool. Alors. T'es reformé. Attends, on apprend des trucs au moins ici quoi. S'il vous plaît, garçon, oui, mon tartare est pas assez terraformé. Ah putain. T'étais intouchable sur la dernière épreuve. Ouais, vite fait. Du coup, 46. On va se faire une petite course encore. En fait, Dirt 2, 2 heures, c'est juste ce qu'il faut. Hein. Pas une heure de plus. Hein. Parce que j'avoue que ça a tendance à plus me fatiguer. Entre guillemets, évidemment, hein, rien de compliqué. Que. Un autre jeu de caisse en fait. Vraiment. Alors c'est bien là. Tu vois, là, on va faire une petite course, mais voilà. Tranquille après. Je veux dire quoi Londres, on peut faire Londres, c'est vrai. Et pas le Maroc. Il y a deux courses. Sinon, Londres, il y a quoi? Deux courses. Deux courses. Trois courses. Allez, on va faire un last main standing. C'est maintenant un jeu d'horreur, je m'en vais. Non, pas encore, t'inquiète. Mais attends, en vrai, ça se trouve, c'est pas vraiment un jeu d'horreur. Mais ouais. 300 000 ça? C'est de ma gueule, les gars. Je l'ai pas conduite celle-là, je crois. On va voir. Ah ouais, c'est que... Temps passe au volant, une heure quoi, hein. Ah, celle-ci. Ah oui, d'accord. Ah si, je l'ai conduite. Par rapport à celle-là... Ah ouais. Non, une heure, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. 15 minutes. Ouais, on s'en fout. Let's go. Mais non, t'inquiète. Ta-da-da. Sûrement les deux dernières courses de ce soir. Ouais, sûr et certain. Didier Laurent. Y'a pas un Nico là hein. Ah, t'as loupé un Nico, il m'a. Il était chaud après. Hein, sur Jouisse. T'inquiète pas, ça vient se passer. Bien se passer. Garde au sol, alors là. Basse suspension ferme, l'appui à fond. Allez, let's go. Travis Pastrana. Attraper vu que c'est une élimination. Oh, je suis passé pas loin du muret. Oh bah là, je tapais, tu vois. Je suis moins à l'aise en circuit. Flip de ouf.
Allez. Bien, merde, merde, merde. C'était chaud, non? C'était extrêmement chaud. C'est plus que chaud. Donc le premier virage, on va vérifier. Je pense que mon cul est vraiment passé très très proche. Putain, les balles en blanc comme ça. Donc pas là. Un peu plus loin. Forcément la caméra va tâcher à ce moment-là. Non plus. C'est après avoir passé, après être descendu. Donc là on descend sur la gauche. Hop, et la flotte. Et c'est ici. Je crois vraiment, j'ai l'impression que l'arrière a frôlé de ouf le mur. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, ah oui, oui, d'accord, ok. Donc c'est bien, j'avais une bonne... J'ai bien conscience du gabarit de mon véhicule. Large, ouais. Bah, si tu comptes le mur, c'était assez large. Si tu comptes le petit truc en métal, je pense pas qu'il ait de hitbox. Je pense qu'on passe à travers, mais... Oh, il y a facilement, ouais, 40 cm. Le truc en métal, plus 10-15 cm. C'est bon, ça passe. Un petit kiff à vitesse réelle, quand même. Incroyable. Allez, dernière course. Un truc de jour, s'il vous plaît. De nuit, là, vraiment, je suis pas... comme ça. Je vais remettre des gouttes dans les yeux. Ouais, deux jours, c'est bien. Ça fait plaisir. Bon, on garde ces réglages, c'était bien. Et que des subs ou quoi? Non, il y a Mitsubishi Evo derrière. Mitsubishi Eclipse, là. J'ai les pare-brise instant déjà. Quoi? Allez, pour le spectacle. Avec le feu, mais c'est histoire de faire une course marrante. Mon avis va pas être pas en content. Je suis le dernier. C'est trop juste ce que je fais là. Mais c'est marrant. Oh, c'est mort. Ça aurait pu, mais c'est mort. Ouais. T'as vu? Mais depuis le début que j'ai commencé à la dirt. Toujours. Parce que je me mets toujours à l'intérieur.
Je vais me mettre à l'extérieur et de plonger, en fait. Ouais, là oui. Bah, tu sais, on est vers la fin, du jeu. Pas vraiment de fin, mais tu sais, on est dans les derniers, derniers championnats. Ils sont pas au max là, hein. Ils sont équivalents de normal ou un peu plus dur. Ils sont pas en très difficile, tu vois. Ah, je me souviens encore, c'est un truc de ouf, hein. En fait, je me décale, comme tu viens de voir là. Faut vraiment que je mette à l'extérieur et que je plonge, en fait. Sinon, tu te souviens. T'es en descente et... les voitures, en fait, s'ouvrent beaucoup dans Dirt 2. Je sais pas si t'as l'occasion d'y jouer, mais tu verras. Elles s'ouvrent énormément. C'est pour ça que je mets mon freinage en arrière. Même comme ça, je passe, faut passer à 90 en fait. T'as toujours l'impression que tu peux passer beaucoup plus fort parce que les voitures sont légères, tu vois. Merde. Mais en fait c'est pas le cas. C'est du rallycross, hein. Enfoiré. Ouh. En fait, il oscille entre les deux, ce jeu. En fait, les voitures sont pas assez lourdes, par exemple. Mais donc t'as tendance à... Merci Eric. T'as tendance en fait à te balader un peu n'importe comment comme une savonnette. Mais à côté de ça les voitures s'ouvrent, tu vois, donc c'est un peu bizarre. Ça manque vraiment un peu de poids. Le gameplay est pas dégueulasse, hein. Mais les voitures sont très 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 sensibles. On dirait vraiment qu'il a été développé pour un volant en fait, Dirt. Pas du tout pour un joystick. C'est très bizarre. La direction est hyper sensible en fait. Dès que tu tournes un peu la voiture, on dirait qu'elle fait 100 kg, tu vois. Mais bon, il reste quand même plaisant à jouer déjà parce qu'il est beau, il est sorti en 2007, il est très très beau. Il a plein de disciplines différentes. Même si c'est pas un vrai Colin McRae Rally, c'est un bon Dirt. Voilà. Il reste agréable à voir, je pense, à jouer. C'était une belle course. Il y a des belles sessions ce soir. Hein. Bon, j'avoue, j'ai un peu forcé, c'était pas hyper fair play. Mais bon. 21h59, c'est pas beau ça? Bon, allez. Sans transition, on passe à la pause. Et on passe niveau 50. Incroyable! Incroyable, je me rentabilise, hein, 1 700 000. J'aime bien ces rythmés. Satanas, beau pilotage sur la dernière course. Du coup, est-ce que j'ai déverrouillé des trucs? Il reste encore des trucs qui sont pas déverrouillés, c'est une dinguerie. Bref, c'est pas grave. Du coup, petite pause, histoire de lancer mon jeu Vitaf. Voir si ça fonctionne, s'il n'y a pas de bug. Et puis on se retrouve. Varie, je crois que tu pars, peut-être que tu vas partir au début de l'autre jeu, je ne sais pas. Dis-moi avant que je me tire en pause. Du coup, on va arrêter de Dirt. Après la pause, on part sur Roots of Insanity. Et petit jour d'horreur. Un dé, je crois, qui doit coûter 4-5 euros sur Steam. Un truc comme ça. Voilà, ça traîne dans ma bibliothèque. Du coup, on va le commencer.
et faire une petite découverte. Voilà. Du coup, dans 5 minutes, hein. À de suite.